Le conflit empêche que les femmes puissent avoir les soins de santé primaires et avoir une vie normale comme femme. Les dames qui viennent de loin de la ville, ils n'ont pas accès aux soins. Il n'y a pas de maternité, il n'y a pas des hôpitaux fonctionnels, compte tenu que les hôpitaux sont occupés par les bandits. Tout le monde fuit, il quitte le village pour fuir la ville. Alors vous trouverez que le village est abandonné à ces femmes et les bandits. Maintenant, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ce sont des patientes qui arrivent des fois avec le périnée ou tous les organes génitaux qui ont été méchamment détruits. Soit après viol, ce sont des baïonnettes qui ont été introduites dans le vagin d'une victime. Il y en a qui viennent avec le sein coupé, un bras peut-être blessé méchamment, sciemment. Si vous croyez quelqu'un qui a été aidé à jouer à Kuna, Balianzia, comme ça, c'est pas tout le monde qui a été wazabanyanganya bamenikata kamba nyilikuwa mukiuno nilikuwa franga za watu za likirimba $100 pakantia silaha hapa kushingo ukikatala tunakuoa basi mwanadamu na wakati unaona chuma kia kukuua nikakubali wakafaa kitendo yao kwa wanataka mimi wakati nilibafikiaga nilikuwa nasikia haya na kuona sa vile mtu mweko buchi mwarabara. Tu wakati mtu yuko buchi anaweza sikia tu haya. Na wakati mwenye haiko panako na alisha kutosha manguo si haya itakuwa tu. Bali naambia sasa nilifika muviro akanambia aseme bo kama mtu anapatikana na ile shida usivuke siku tatu na uende kwa mganga. Le phénomène de violence et de la guerre vraiment c'est un phénomène qui est en train d'attaquer tout le monde. Nos villages sont attaqués, bientôt c'est la ville, et nous sommes traumatisés. Et on se pose la question, demain on aura la vie, on n'aura pas la vie.